CEFELIX 95,5 FM, la radio communautaire de l'Estrie. De retour à l'émission L'Accent. Je m'appelle Julie Miller. Cette semaine, l'accent se trouve sur le mois de l'histoire des Noirs. Parmi les personnages qui m'ont le plus marqué se trouve Martin Luther King. À la maison chez nous, à chaque jour, je jette un coup d'œil sur des citations du Dr. King, à cause qu'il y en a au moins 3 ou 4 de collées sur mon frigo, avec des aimants. Connaissez-vous la suivante? Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères. Sinon, nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Martin Luther King nous parlait de la justice, du pardon, de l'amour, de la liberté, de la solidarité. Heureusement, au cours de l'histoire, il n'a pas été le seul à lutter pour les droits humains. D'autres ont laissé leurs traces en termes de courage et de vision. D'autres encore ont su faire face à l'injustice et par le fait même sont devenus des modèles pour tous ceux qui espèrent un monde meilleur. Philippe Paget, d'Action interculturelle, ainsi que notre chroniqueuse Marie Niemba nous font découvrir quelques-uns de ces personnages. Bonjour, ici Philippe Paget d'Action interculturelle. Aujourd'hui, je vais vous parler de Toussaint Louverture, qui est né en fait Toussaint Breda en 1743 sur l'île d'Hispaniola, dont la partie ouest, dans le fond, forme la colonie de Saint-Domingue à l'époque, qui est Haïti aujourd'hui. Toussaint est le principal chef d'orchestre de la Révolution haïtienne. C'est un héros du folklore de son pays. Il est né en fait esclave, où il occupait des fonctions probablement de domestique, puisqu'il savait lire et écrire, ce qui est assez rare pour l'époque. Il obtient son affranchissement en 1776, même si on ne sait pas vraiment pour quelle raison. Il n'y a aucun registre qui garde là, les raisons de l'obtention de sa liberté. Il prend rapidement le patronyme de l'habitation d'où il provient, donc il vient de Breda, donc il s'appellera Toussaint Breda. Saint-Domingue est à l'époque la colonie la plus prospère de la France. On sait qu'ici, en Nouvelle-France, on exportait beaucoup de fourrures. Dans le cas de Saint-Domingue, c'est du sucre et du café. Il existe officiellement là-bas 2 classes sociales, les hommes libres, qui sont souvent blancs, qui est composé des fois par contre de mulâtres et d'esclaves affranchis, et les esclaves eux-mêmes, qui sont une population qui est noire. Autour de 1791, il y a des problèmes politiques en France et les esclaves entament une rébellion dans le Cap français, qui est une région au nord d'Haïti, à l'époque Saint-Domingue. L'Espagne, déclenchant la guerre à la France, envahit l'île de Saint-Domingue et les esclaves qui sont épris de liberté se joignent à l'Espagne afin, dans le fond, d'être affranchis et d'obtenir leur liberté. Toussaint, à l'époque, puisqu'il sait lire et écrire, sert d'aide de camp à un des généraux de l'époque qui s'appelle Georges Biassou, mais il y a une petite chicane qui se déroule entre eux et ça finit pas très bien parce que M. Biassou décide d'assassiner Toussaint Louverture, qui lui, à ce moment-là, décide de changer de camp et passe à la France. C'est à ce moment-là qu'il commence à être appelé Toussaint Louverture, parce que c'est pour ses habiletés militaires, dans le fond, étant donné qu'il ouvre littéralement le chemin parmi les rangs ennemis. Il est nommé général en 1795, lieutenant général l'année d'après, et au fur et à mesure de ses victoires, il confirme beaucoup l'affranchissement des esclaves, et ça le fait aimer beaucoup de la population. Il continue à faire la lutte aux Anglais qui tiennent les ports de l'île et aux Espagnols, et finit par conquérir l'île au complet. Le 3 juillet 1801, il établit une constitution sur l'île et il se donne les pleins pouvoirs, et ça à perpétuité. En 1801, Napoléon commence à être tanné de voir qu'il y a des esclaves affranchis à Saint-Domingue qui sont épris de liberté. Donc, il décide de mater les ambitions de Toussaint Louverture et il envoie une expédition de 30 000 hommes qui se trouve beaucoup plus forte que les forces de Toussaint. Et plusieurs de ses généraux, dans le fond, se rendent et Toussaint Louverture est arrêté lui-même un peu plus tard.
comme il est dangereux de le garder dans la colonie, puisqu'il sert de symbole, on le déporte en France et avant d'embarquer sur le bateau, il dira une de ses phrases les plus célèbres. Il dit « En me renversant, on a abattu à Saint-Domingue que le tronc de l'arbre de la liberté des Noirs qui repoussera par ses racines, car elles sont profondes et nombreuses. » Il est interné à ce moment-là dans la prison du Fort de Joux, qui est dans le Jura français, une région montagneuse près de la Suisse, et il meurt le 7 avril 1803. Mais malgré la dérive autoritaire, par contre, de ses dernières années au pouvoir, on peut dire que Toussaint Louverture est un symbole non seulement pour sa révolte contre la domination des Blancs, pardon, mais aussi par son refus de l'esclavage. Et ses qualités, ses talents étaient admirés autant par ses ennemis que par ses alliés. Et plusieurs de ses généraux vont poursuivre dans sa lancée, et dont Jean-Jacques Dessalines et Alexandre Pétion, qui forceront l'expulsion des Français de l'île en 1803. Et Saint-Domingue reprendra son nom amérindien et la République d'Haïti est proclamée officiellement le 1er janvier 1804.